Bonsoir. Mon nom est Julien Tremblay. Je suis humoriste de profession. Mais je suis aussi... Musicien dans l'âme. Yeah, baby, that's what I do. Beaucoup de gens me demandent... Pourquoi tu comptes des jokes avec une guitare? C'est pas ça me calme. Tout le temps, tabarnak, baby! Faut que je me calme. J'habite centre-ville Montréal, à côté d'un Subway. Ça fait une semaine qu'il y a une prostituée qui se tient en avant du Subway. Une semaine, je passe en avant et je me dis, pas sûr que le client va manger frais. $12.5, ugly lady! Ça me fâche de pas être l'homme que ma blonde voudrait que je sois aussi. Moi, tous les gars ici ce soir, on a la chance d'être l'homme idéal à tous les jours, mais on le fait rarement. Combien de fois, les gars, on va au dépanneur avec notre blonde, tu sais? Beef jerky on the side! Combien de fois on va au dépanneur avec notre blonde puis que le caissier nous dit... 26,49, monsieur, c'est 15 millions cette semaine. Jamais on donne une caresse à notre blonde qu'on dit non merci, j'ai déjà le jackpot. Prends des notes, le gros. Je te vois là. Take your iPhone out and press the application notes. Start typing. On l'a pas pantoute, mesdames, je vous le dis tout de suite. Quand vous avez un rêve d'ennui puis que vous nous le racontez le matin... On s'en calisse de votre rêve. We just don't care about your dreams, sweet baby! C'est-tu qu'on s'en calisse de votre rêve? Vous nous racontez votre rêve, on espère que vous êtes comme une pub sur YouTube. Oh, j'ai rêvé que j'étais dans un barbecue, puis là, il y avait des licornes, puis nous autres, on est comme ignorés dans 4, 3, 2, 1. All right, des vidéos de chat! I need my pussies in the morning, baby. That's what I do. Ça me fâche aussi de voir mes chums célibataires qui donnent des conseils de couple. Tremblay, tu devrais... Les chums sont comme tremblés. Tu devrais faire du sexting avec ta blonde, tu sais. Y envoyer des sextos. Tu sais, genre, tu te poses tout nu, t'envoies ça. Pas à l'aise avec ça. Me vois mal prendre une photo de mes parties, l'envoyer à ma blonde, puis après ça, l'imaginer qu'elle le reçoit et qu'elle est obligée de faire ça de même. Sur son iPad. I got a small penis, baby!
j'ai des petits pois dans mes shorts. That's what I do. Là, c'est du monde qui ont filmé ça avec un téléphone, ce joke-là. C'est possible de pas mettre ça sur Facebook, s'il vous plaît? Pas que je suis gêné de faire des jokes de tititine, mais c'est parce que depuis 2 mois... Ma mère vient d'embarquer sur Facebook. Faut que je me calme. Parce que pour un gars de mon âge, une mère sur Facebook, c'est comme prendre sa douche avec 8 Jamaïcains. C'est gênant! Tu sais de quoi je parle? Because of the big black cocks! It's humiliating in the shower. Ma mère, déjà, qui était pas bonne avec les emails, qu'est-ce qu'elle fait sur Facebook? Ma mère, elle m'envoyait un email, elle écrivait « Salut, mon grand! » Comme Chris, man, garde ton doigt, c'est une piton shift! You gotta shift it up, old mama! Shift that shit up. Depuis que ma mère est sur Facebook, je suis dans des groupes que je connaissais même pas avant. Polydent, qu'est-ce que je fais là-dedans, moi, gros? Fisherman's Friend. Je peux plus prendre de photos et mettre ça sur Facebook non plus. Cet hiver, j'étais allé en Floride, on est allé manger dans un Hooters. Si vous savez pas c'est quoi un Hooters, c'est un restaurant parce que les serveuses ont des très grosses poitrines, mais ils servent des grilled cheese. Prends une photo avec deux des serveuses. Ça se retrouve sur Facebook, les commentaires en dessous, c'est « Ouais, Tremblay, t'as du fun, ouais, hein, tu te gâtes, ouais, grosse poitrine, qu'est-ce que t'as mangé? » Ma mère en dessous qui écrit « Moi, j'ai 63 ans, ils sont mous, je pourrais travailler au Mooters, hi, hi, hi. » Delete! Block! Undesirable spam! Lâche mon Facebook, man! Faut que je me calme. Si, faut que je me calme. L'autre jour, j'étais couché dans le lit avec ma blonde, tu sais. Puis, elle me flattait le chest. Oh, c'est-tu que j'aime ça me faire flatter le chest? Fait que j'ai dit, descends entre mes jambes. Elle dit non! Pourquoi? Elle dit, parce que quand tu me le demandes, je me sens obligé. Le lendemain matin, elle dit, tu pourrais te sortir les vidanges, s'il te plaît? I don't think so, woman!